éclate. C'est béni le papier, chaque projet enchanté. Pilous craft, ensemble on va tout transformer. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour le défi avec la loaded d'Audrey, donc numéro 2 du coup. J'ai sorti quelques petites choses qu'elle m'a envoyées. Du coup, voilà, j'ai sorti les papiers qui sont là. Et on va faire une carte. Alors, je sais pas trop comment je vais partir là-dessus, mais j'ai bien envie de faire une petite carte. Allez, hop, c'est parti. Allez. Du coup, on va voir ce qu'on va faire. Je suis pas encore. Je suis pas encore tout à fait. Je suis désolée, c'est mon téléphone qui sonne hein, parce que je reçois des textos. Ok, je vais me mettre ça sur le côté ici. Pas trop loin quand même au cas où. Et du coup, on va faire une carte. Allez, c'est parti. Je vais prendre un fond de carte. Craft. Est-ce que j'ai du papier craft là sous la main? Là, hop. Alors, c'est un craft un peu irisé. Hop, on plie. Voilà. Maintenant, je coupe à 15. Je garde ce morceau parce que ça sert toujours. Voilà, ça ce sera ma base de carte. Maintenant, on va prendre ça. On va couper un morceau de 14,5 par 14,5. J'ose espérer qu'il y a bien les 14,5. Ok, ça je l'enlève. Je garde ça. Je vais prendre ces deux morceaux de papier pailleté comme ça et je vais couper un morceau de 10 sur 14. Voilà, 10 sur 14 et je vais venir le coller comme ceci. Ça va me faire comme ça, ok? Je vais prendre ce morceau-là que je vais conserver et je vais prendre un morceau comme ceci également. Et je vais faire un tag. Je sais pas, je suis partie sur tout et n'importe quoi. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, allez, c'est parti. Je vais peut-être couper mon téléphone, le son. Ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, hop. J'ai enlevé le son de mon téléphone. C'est parce qu'en fait, je suis toute seule à la maison avec Jadou. Et du coup, si ça m'appelle, j'aime bien savoir où j'en suis. Alors, du coup, est-ce que je vais garder celui-là ou est-ce que je vais couper plutôt celui-là pour faire mon fond comme ça? J'ai un idée. Ouais, j'ai sorti, hein, je vous dis, j'ai sorti ces papiers et tout. Par contre, c'est vrai que bah, pour le coup, c'est très, 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 très rose. Toutes les teintes de rose que vous pouvez avoir. Voilà, bah tiens, regarde, je vais prendre ça. Celui-là, pour le moment, je vais le mettre sur le côté parce que je ne sais pas si je vais m'en servir. Je vais prendre ce papier et on va essayer d'utiliser tout. Alors, du coup, j'ai dit que j'avais pris combien? Je ne sais plus. J'ai déjà perdu la boule. Perds pas la boule, comme dirait une certaine pub de mon enfance. Du coup, voilà. Et on va couper, du coup, 13,5 par 9,5. Alors, 9,5. Par 13,5. Voilà. Hop. Et ça, on va le coller là-dessus. Ok. Ça va le faire, hein. Ça va faire pas mal. Ok, ça, on va laisser là. Je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. D'accord. Donc, voilà. J'ai toujours mal à mon bras. J'ai passé une nuit pourrie. J'ai été obligée de me lever à 3h30 du matin pour prendre des médocs. Parce que je dormais pas. C'est horrible. J'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. Parce que, de pas dormir, je vous jure que c'est pas.
c'est un peu la misère, hein. En fait, on va faire ni plus ni moins que comme une carte SketchUp. Je l'ai pas là, sous la, les yeux, mais je crois me rappeler d'une... Oh, punaise, hein, ça me saoule, ce truc. Je le nettoie à l'intérieur, mais non, il y a plein de colle, en fait, je peux pas. J'ai pas envie de me coller de la colle de partout, de partout, de partout. Hop, on va se couette, on va pas repiquer ça. Je l'ai coupé pourtant déjà, normalement... Mais voilà. En fait, ça fait une bulle d'air à l'intérieur et c'est la galère. Ah, ben voilà. Puis comme façon, il faut pas mal de colle pour coller sur le papier pailleté. C'est pas bien grave d'avoir trop de colle là. Hein? D'accord. Alors, hop, on vient mettre ça. Ce papier est trop beau. Ça me rappelle des souvenirs. C'est un des premiers blocs action que j'avais acheté, je me souviens. Donc c'est un peu, ça commence à dater, hein, parce que ben ça commence à faire maintenant que je scrape. Donc voilà, hop, on va venir coller ça comme ça, mais je vais pas le coller tout de suite. Alors, on va faire, ouais. Alors on va prendre ça. Nickel. On va couper ça à 2,5. Inch. C'est, elle est, la punch, elle est en inch. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà, je dis 2,5 et une en 2. Voilà. Hop, je garde cette bande. Ça peut servir. Et ça, on va faire un tag. Comme ceci. Hop, voyez, c'est tranquille. Et vous le mettez celui-là dans l'encoche du 2. Et hop, voilà. Et vous venez coller ça par-dessus, comme ceci. Regardez. Hop, on va couper à peu près, grosso modo, là, à 12. Et là, du coup, à 11,5. Hop et hop. Et ça, on va venir le coller là. Nickel. Hop et hop. Regardez. C'est très bonbon. Kiki, bonbon, bonbon. Tout ce qui est pas moi. Mais c'est pas grave. Hop, on va venir coller ça comme ça. Ouais. C'est un sketch, hein, je vous dis, je crois que c'est un sketch que j'avais vu sur Pinterest. Mais bon. C'est pas grave. Hein. Alors. J'en mets plein les mains. Ça, c'est pas collé. Et je veux pas le coller. On va venir la coller comme ceci. Voilà. Et on va coller le pailleté par-dessus. Alors, ce qui serait bien, c'est que je le colle plus ou moins droit quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et ça ici, vous voyez? Comme ça, j'utilise le point. Hop, là. Regardez, ça le fait, hein? On est plutôt pas mal. Je vais mettre ça ici, mais pas tout de suite. D'accord? Alors, ensuite, on va faire... ça, comme ça, mais je vais me faire une bande, donc ça c'est moins épais, on est d'accord. Oupsie, mais ça c'est parfait, donc j'ai pas envie de, voilà, donc du coup ça, et on va prendre une bande de rose comme ça. On va prendre ma perfo. Alors, je sais, normalement, faut commencer dans le centre, mais en fait, je m'en fiche. En dessous, je veux. Hop. Encore une punch. Ok. Voilà. Non, encore, j'ai dit.
Alors, attendez. Hop. Si tu peux éviter de bouger, ce serait cool. Voilà. Hop, ça c'est bon. Je coupe. Comme ça. Ok. Je vais venir y coller le morceau de papier comme ceci, là. On est bien. Ouais, on va faire ça. Nickel. Maintenant, je veux couper. Ok. Et on enlève le dessous. D'accord. Et ça, on va venir le mettre comme ceci, ok. Déjà, je vais commencer à coller cette partie-là. Par contre, je vais peut-être y mettre un peu de mousse 3D fine en dessous parce que hop. 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 Arrête pas de vibrer le thème. Et hop. Comme ça. Ah. Alors, du coup. Voilà, déjà, on a déjà positionné ça comme ça. Ensuite, je vais mettre ça sur le côté pour le moment. On va couper, je range ma mousse pour aller. Je vais couper, est-ce que je vais prendre du violet comme ça pour trancher ou pas? J'ai envie de me tatouer en fait. Si je prends du... Je suis en train de chercher un truc, bougez pas. Ouais, ça. On va prendre ça. Ces tailles, ils sont vieux, mais alors, c'est vieux. Je prends ces deux-là. Et je vais couper des morceaux. Des morceaux. Hop et hop. On va couper. Ben ça, est-ce que je peux couper ce morceau-là? Oui, regardez. Pas de perte. Ça. Et je vais prendre un morceau comme ça. Comme ça. Ok. Allez, on y va. Je recoupe ça. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est un peu la tendance du moment, ça. On ne sait pas où on va, mais on y va. Hein?
Hop. J'aimerais en couper deux. Donc, on va plier. Pour couper deux, je plie la feuille. Hein. Un papier. Comme ça, je vais en avoir deux tout de suite. Voilà, et je voudrais un autre petit, donc on va prendre un... Est-ce que j'ai une chute? Non. Si, j'ai une chute, là. Hop, regarde, c'est tout petit. Vous voyez, c'est une toute petite chute de rien du tout, mais ça va le faire. Moi, j'aime pas trop... ça évite de jeter, et voilà. Voilà, alors après... Voilà, hop, hop, et hop. Là, ça, je peux le jeter, par contre. Vu ce qu'il me reste, je peux le jeter. Alors, alors, alors. Je crois que je vous dis, hein, c'est une carte sketch que j'ai vue sur Pinterest. Voilà, et on va venir coller ça. Comme ça. Vous voyez, c'est un peu grand, mais on s'en fiche parce que je vais rouler. Ouais, ça va le faire. Allez, on y va. Et puis après, ben, je vais juste mettre ma déco que j'ai sortie, là. Je crève de chaud. Hop. Que ça filme bien, oui. Mais de toute façon, je vous dis, je vais moi, je vais les refaire les cartes sketch. J'ai envie, ça me manque. Et puis, ben, des fois, quand j'ai pas de pâte, c'est pas de motivation parce que c'est pas la motivation qui me manque. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai pas le, comment ça s'appelle? Comment je vous explique ça? Comment dire? De la... Quand j'ai un manque de... Pas de motivation, parce que c'est pas ça. Vous savez, quand vous n'avez pas d'idée pour le scrap. Manque de... Je suis complètement paumée. Manque de... D'inspiration. Voilà, Rachel. C'est bien. L'inspiration. Quand j'ai un manque, quand j'aurai un manque d'inspiration, au moins une petite carte sketch. Et, oupsie, voilà. Roule ma poule. Et puis, vous avez quand même, malgré tout, un petit tuto avec, ben, vous voyez, des... Alors là, ça ne me ressemble pas du tout. Là, j'ai envie de les rentrer un peu plus. Voilà. Maintenant, on va coller le tout. J'ai le vent qui grognoute. J'ai pas mis de colle dessous. L'enlever. Alors c'est ton sur ton. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Ça me ressemble pas du tout. Alors je vais prendre cette perfo là et cette perfo là. Ok. Peut-être que je vais quand même une petite
chiant. Donc c'est une 3-5 et une 2-5 au niveau des perfos. Voilà, maintenant je colle la fleur. On voit pas le cercle en dessous, mais en fait on s'en fiche un peu. Ça, ça et ça. Ben écoutez, ça va le faire. Et la lollipop. Alors, je vais coller ça. Je l'avais pas collé, mais finalement, le mieux c'est quand même de les coller, les tags. Voilà. Ok. Nickel. Allez, on y va. Maintenant, on va mettre ça. Mousse 3D. J'ai regardé ce qu'il y a dans sa pochette de die-cut encore pour voir ce que je peux rajouter. Hop. On va le mettre comme ça. Celle-ci, je vais la mettre là. Ok. Les fraises, ça n'a pas sens. La lollipop. Ouais. Hop, la lollipop. J'ai le ventre qui grognoute. Ça et le Beautiful ira. Comme ça. Je vais regarder si je peux mettre autre chose. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Bon, je suis navrée, mais vous avez un ton sur ton. Hein. Parce que, bah. Hop, si. Là, c'est purement une loaded rose. Je peux pas l'inventer. Je peux pas l'inventer. C'est que du rose. Du rose, du rose, du rose. Alors là, franchement, c'est totalement pas moi. Il y a un peu de rose sur la brosse. Alors du coup, je fais l'entourage. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller sur mon fond de carte. Comme ça. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis moins convaincue de toutes les cartes que j'ai fait jusqu'à présent. C'est celle où je suis le moins convaincue. Par contre, j'aimerais mettre... je crois qu'elle a mis des... Ah ! Eh ! À l'endroit, ce serait mieux. Quand même. N'exagère pas.
Voilà, des... Je regarde, je crois qu'elle a mis des... Ça. C'était un nœud. Le nœud, là. C'est un des nœuds comme ça, hein. Ça, ou alors je tranche avec celui-là, c'est du hein. Je peux pas le récupérer ça, bon c'est pas grave, on va prendre un ça. Voilà, ça me colle au doigt. Hop, on va le mettre ici, sur, voilà, et on va mettre un dot ou deux. Oh, je suis complètement pas dans mon élément là. Je vais en mettre un ou deux de ça. Et si j'en mettais un dans la fleur? Ouais. Un couchot. Un petit couchot. Hop. Et je vais en mettre un d'eau plus. Oui, madame, là, l'oiseau. Ici. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est mims, mais alors pomme, c'est vraiment pas... Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas moi. Je suis pas convaincue du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je range tout pour pouvoir le réutiliser. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt satisfaite et en même temps, je sais pas. Voilà, je suis contente, satisfaite et en même temps, je n'en sais rien. Donc, voilà, c'est chelou parce que mon avis, il est complètement partagé sur ce coup-là. Je range tout à la place parce que, voilà, c'est complètement partagé là, sur ce coup-ci parce qu'en fait, je ne sais pas du tout quoi en penser. Ça, pour le moment, je ne vais pas m'en servir. Je vais le remettre dans l'enveloppe, voilà. Et puis, ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, super, je l'ai mis à l'envers encore. Je me suis plantée. Je vais couper ça. Et je vais refaire un fond de carte et que je recollerai dessus. Et ça, je vais garder pour tout. Voilà. Hein? On va faire ça comme ça. On va éviter d'abîmer la carte. Ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Vous avez vu quand je m'énerve comment je fais? Je grogne. Hein? Je grogne parce que je ne trouve pas mon plioir que j'avais tout à l'heure. Non mais sérieux quoi. Tout va bien. Rachel zen. Zen attitude. Du coup ça comme ça. Et je vais coller ça sur un autre fond de carte parce que j'ai pas envie d'abîmer ma carte parce qu'elle est trop mignonne. Voilà voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Après, c'est péripétie. Qui restait celui-là, là, j'aurais pu le coller là, bien power. Non, ça fait trop. Donc du coup, voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.